Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes actuellement à Akwa. Alors vous savez, ici on a ce petit pont stratégique qui est ici à Akwa. Hein. Vous savez, si vous passez pas là-dessus, vous pouvez pas aller à Mtamboro. Donc ce pont, il a pas de passage piéton. Et du coup ici, c'est la même histoire. Hein. Ici, on a un accès pour mettre un passage piéton ou l'autre côté. Donc vous voyez, voilà l'exemple, la personne qui passe dessus et le véhicule en même temps. Donc c'est toujours la même histoire. Alors que ici, on peut tirer facilement une petite passerelle pour passer dessus, hein, pour mettre les gens en sécurité. Donc on parle du pont de Djoumoigné, mais il reste aussi tous ces petits ponts là qu'on n'a pas répertoriés. Peut-être on a répertorié, mais les gens ne percutent pas tout de suite. J'aimerais ici attirer votre attention, vous dire que il n'y a pas que à Djoumoigné qui a cette difficulté. Il y a aussi à Akwa, là où il y a cette difficulté, qui est vraiment très dangereux pour traverser. Donc ici, je parle de quelque chose de concret. Je parle d'une situation qui est aussi urgente comme celle de Djoumoigné. D'accord. C'est à peu près la même histoire, similaire. C'est pourquoi je fais cette vidéo, pour que les gens puissent réagir face à cette difficulté qu'il y a ici. Le passage piéton est obligatoire ici. D'accord. Le passage piéton est obligatoire aussi sur ce pont de Akwa.